il n'y a pas un jour depuis le 10 janvier où je n'ai pas plusieurs réunions par texto, par mail ou physique avec le directeur général de la santé. Nous travaillons main dans la main. De la même façon, dès que j'alerte le Premier ministre sur les premiers cas français et qu'il faut à ce moment-là mettre en tension le système de santé français, une réunion de ministres, la première réunion de ministres, est décidée à Matignon dans le week-end un dimanche. Donc l'intuition, elle est totalement partagée avec le directeur général de la santé. Sincèrement, je pourrais vous lire la totalité des décisions que nous prenons jour après jour. On m'a dit que ça ne se fait pas de prendre la parole pendant trois quarts d'heure dans une commission d'enquête. Je veux bien le faire devant vous. Je veux bien le faire devant vous. Il n'y a pas une journée où nous ne prenons pas des décisions. Pas une journée où nous n'avons pas anticipé, toujours par rapport à l'OMS et à l'ECDC. Nous sommes toujours en avance par rapport aux décisions internationales. Donc, en aucun cas, je peux vous dire, en aucun cas, je peux laisser dire que le ministère de la Santé a été lent.